Dieu, tu as mis en nous un cœur de chair, d'auparavant qui était un cœur de pierre. Et Seigneur, c'est la nouvelle naissance qui a fait cela, par ton esprit. Tu nous as animés, Seigneur, tu nous as rendus vivants pour toi. Et Seigneur Dieu, à chaque jour, nos pas veulent marcher dans la sanctification, Seigneur, pour te ressembler de plus en plus par ton esprit. Seigneur Dieu, nous sommes réunis ce matin pour te rendre gloire, pour participer à ton repas. Tu nous invites, Seigneur, à ta table. Là, tu nous rappelles avec amour que tu as versé ton sang pour nous, que tu as brisé ton corps pour nous, et que tu es parti maintenant, mais que tu nous prépares une place. Seigneur Dieu, merci pour toutes ces bontés imméritées, Seigneur, qu'on appelle la grâce. Seigneur Dieu, sois avec nous ce matin. Sois avec le pasteur qui nous apporte ta parole, Seigneur. Bénis ces paroles, Seigneur, et qu'elles entrent dans nos cœurs, qu'elles puissent servir à faire connaître ton nom à ceux qui ne te connaissent pas, afin que nous nous réjouissions avec eux pour l'éternité. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Avant de prendre le repas du Seigneur, on a l'habitude d'avoir une petite méditation. Et comme à notre habitude, et un jour, moi je viens du milieu des frères chrétiens, où il n'y a pas de méditation avant le repas du Seigneur. Et que les gens qui sont habitués à ça vont à peu près dans une direction que le premier parle et que tous et chacun s'en va à peu près dans cette direction-là. Mais il y a un problème avec ça, c'est que sans une courte méditation, c'est qu'à un moment donné, ça peut partir à gauche, à droite. Et je pense que c'est bien de faire ces choses-là. On va tourner pour une courte méditation de peut-être 10-15 minutes. Et c'est un exploit pour un pasteur qui parle beaucoup de juste dire 10-15 minutes. Alors nous allons vraiment être plus méditatifs. Luc chapitre 23 et à partir du verset 44, s'il vous plaît. Et nous irons jusqu'au verset 49. On pourrait parler des heures et des heures sur ce passage, mais juste à caractère méditatif, on va toucher ce passage-là. On va le lire pour commencer. Il était déjà, c'est dans Luc 23, chapitre 23, à partir du verset 44 à 49. Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et, en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifiait Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. La première des choses qu'on pourrait méditer sur ces passages-là, c'est que Dieu était totalement au contrôle de chaque minute. La première question que je vous poserais, combien de temps ces cinq passages-là ont duré de temps? Environ à peu près 3 heures et demie. Et on va le découvrir. Le passage ici qui nous concerne dira environ à peu près 3 heures et demie, peut-être 3h32, mais ça, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu était en contrôle de toutes choses. Il y avait des Romains qui, autour des Juifs, crucifiaient des hommes régulièrement, tous les semaines. Mm-hmm. Tous les semaines, il y avait des crucifixions. Et Dieu était au contrôle de chaque chose. Mais en particulier, dans ce moment précis, Dieu était au contrôle. On va reprendre le verset 44. Il était déjà environ la sixième heure, ce qui veut dire qu'il était midi. Littéralement. Il était midi.
Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et les gens vont me dire, ouais, mais écoute, il y a eu un éclipse solaire cette journée-là. Est-ce que c'était un éclipse solaire ou c'est que tout à coup, les ténèbres ont descendu d'un coup, en un instant, sur toute la terre? Et là, c'est marqué ici, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ce n'est pas la terre habitée du temps de Jérusalem. C'était toute la terre au complet. Jusqu'à la neuvième heure. Donc, si on calcule, 9 moins 6, ça fait combien? 3. Donc, de la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, ça veut dire de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres totales et absolues. Et si vous voulez savoir un peu, en quelques mesures, c'était quoi la profondeur des ténèbres, on va tourner dans Exode chapitre 10, versets 21 à 23. Est-ce qu'un frère ou une sœur pourrait nous lire ça, s'il vous plaît? L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Oh! Quelle remarque! Qui a déjà joué à la, guerre, à la cachette? Qui s'est déjà caché dans un garde-robe? Dans la cave? Même si ça fait 10-15 minutes que vous êtes là, est-ce que vous voyez ce qu'il y a dans le garde-robe? Non. Non! C'est des ténèbres totales et absolues. Tes yeux ne s'habituent pas. C'est un ténèbre, une ou un ténèbre, qui est vraiment profond. Puis là, ben, t'attends et tu restes en place. Et quand nous lisons ici, il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Voyez-vous, les ténèbres, lors de quand Christ est mort, c'était des ténèbres totales et absolues sur toute la surface de la terre. Une noirceur incroyable. Et pourquoi qu'en plein milieu du midi, les ténèbres ont rempli la terre d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Dieu, comme Christ, utilisait comme Christ quand il était lors de son ministère, prenait toujours des choses qui étaient terrestres pour enseigner des choses qui étaient célestes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mm-hmm. Oui. Je suis la porte, je suis le bon berger, des choses que les gens pouvaient visualiser. Alors, qu'est-ce qui s'est produit quand les ténèbres sont apparues totalement d'un coup? Qu'est-ce que ça nous peut nous enseigner, cette chose-là qui est arrivée d'un coup pendant 3 heures de temps? Non. Ce que ça nous enseigne profondément, c'est qu'il y eut une séparation totale entre le Père et le Fils. La communion qu'il y avait entre le Père et le Fils était constante, dans une parfaite lumière totale et absolue entre le Père et le Fils. Et ce qu'il y a eu à l'extérieur visible pour tous les hommes, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur du cœur du Fils. Une coupure totale et absolue entre la communion entre le Père et le Fils. C'est comme si c'était zéro puis une barre, plus de communication. Le Père a détourné les regards. Donc, souvenez-vous du Fils. Donc, souvenez-vous quand c'est marqué, sur lui, je porte mes regards. En lui, toute mon affection est portée. Et là, l'affection du Père s'est détournée. Il y eut des ténèbres. La communication, la relation constante et permanente depuis toute éternité entre le Père et le Fils s'est faite ressentir jusqu'en sur toute la surface de la terre. Première chose qu'on peut méditer. Et là, il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé. Pourquoi, en même temps qu'il y a eu des ténèbres, il y a eu une autre chose qui s'est passée dans le temple? Le voile du temple s'est déchiré. Mm-hmm. Et savez-vous pourquoi que ce voile-là est mentionné là? Pourquoi Dieu a permis que le voile se déchire d'un coup? Et il y a certains auteurs qui disaient que le voile était très épais.
Et pourquoi le voile s'est déchiré? Parce que dans les deux parties du tabernacle, c'était comme un rectangle, si on veut, il y avait un voile en plein milieu. Et ce voile-là, c'était impossible d'aller pénétrer à l'intérieur, sauf pour une personne, une fois par année, qui était le souverain sacrificateur, le grand prêtre, l'homme qui était désigné pour, une fois par année, aller porter le sang des boucs, des agneaux, des choses à l'intérieur pour asperger l'ustensile qui était là, qui était l'arche. Et là, le voile, qu'est-ce que ça signifie? C'est que personne ne pouvait approcher de Dieu, sauf une personne. Et ce souverain sacrificateur-là, ce grand prêtre, lui était le représentant comme une image de celui qui devait venir. Donc, si le voile est déchiré complètement, maintenant, ça nous signifie que tout le monde a accès à Dieu sans problème. Pas juste une fois par année. Mais le voile déchiré signifie littéralement que les ténèbres, Christ a été fait péché, séparation, l'agneau de Dieu est mort pour nous, afin que nous, on puisse rentrer auprès de Dieu et avoir un libre accès auprès de Dieu. Et pour les gens qui pensent que Dieu n'était pas en contrôle, on va tourner dans Amos chapitre 8, versets 8 et 9. Amos, c'est un petit prophète de l'Ancien Testament. Amos chapitre 8. Est-ce qu'un frère pourrait le lire? Amos 8, 8 et 9. La terre, à cause d'elle, ne tremblera-t-elle pas? Et tous ses habitants ne mèneront-ils pas d'œil? Le pays tout entier montera comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Et il arrivera dans ces jours-là, dit le Seigneur, l'Éternel, que je ferai coucher le soleil à midi et que j'obscurcirai la terre en plein jour. Ah ben, Dieu était totalement, complètement dévasté par le soleil qui n'a pas obéi à Dieu. Non. Voyez-vous, avant même que cette chose-là arrive, Dieu avait prophétisé, Dieu avait annoncé que ce moment précis arriverait. Il a même dit l'heure en plus, tu ne peux pas être plus précis que ça. Dieu était au contrôle. Dieu avait même annoncé d'avance, avant que ça arrive, qu'à midi, fini, ténèbres totales et absolues sur la terre. Parce que depuis que l'homme, et même avant que l'homme soit sur la terre, savait les choses qui allaient arriver, Dieu est omniscient, et il sait toutes choses d'avance, et il avait prédit, et il s'est organisé pour que tout arrive comme ça. Que Christ meure, qu'il soit séparé du Père, et que nous, on ait accès à sa pleine et merveilleuse présence. On continue. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cela, en disant ces paroles, il expira. Qui s'apprête à mourir? À tout le monde. On va tout y passer. Quand ça va arriver, quand même, ce que vous êtes le plus fort, le plus grand, le plus extraordinaire des hommes ou des femmes sur Terre, quand même, ce que vous résistez, tu vas finir par mourir. Et tu n'as aucun contrôle de la manière que tu vas mourir, comment tu vas mourir. On va tourner, s'il vous plaît, dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Qui est tout de suite après les proverbes. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Ça dit ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Quand Christ s'est marqué ici, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ça vient en étroite collaboration à ce que le Christ disait, « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. » Christ étant Dieu fait homme,
pouvait décider à la seconde même où ce qui mourait, pouvait décider quand s'arrêtait l'heure des ténèbres, quand il le dit, voici la puissance et l'heure des ténèbres, c'est présentement. Profitez-en, comme, un peu comme ce qu'il disait. Et là, c'est marqué, je remets mon esprit entre tes mains. Pour nous, par amour pour nous, Christ était au contrôle, même jusqu'à son dernier souffle sur la croix. Quel homme peut dire sur terre, ouais, le Dieu, je vais mourir, je te remets mon esprit, puis après ça, je meurs. Y a-t-il un homme qui peut décider ça? À moins de s'enlever la main. La vie, je veux dire, à moins de se suicider. Et même encore là, il n'est pas au contrôle. Combien de fois des hommes ont voulu se suicider et ont manqué le coup? Dieu est au contrôle de toutes choses. Moi, j'ai déjà vu du monde, ça, dans les écrits, ils se sont tirés un coup de fusil dans la bouche, mais ils se sont manqués. Je ne sais pas comment ce qu'ils ont fait, là. Mais c'est Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et Christ, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, tout était prévu. Et il a dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Ça, c'est une des preuves incroyables que Christ est Dieu. Parce qu'à part Dieu, personne ne peut dire ça. L'esprit qui est en moi, je te le donne, et après ça, je meurs. Impossible. Verset 47. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Là, si nous nous remettons dans le contexte, les ténèbres sont passées, la clarté, l'homme, le centenier, qui a tout vu ces choses-là, Christ a dit ces paroles-là. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Un païen qui ne connaissait pas Christ, qui ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas Christ, peut-être de réputation, peut-être de loin, mais il ne le connaissait pas personnellement. Cet homme-là a glorifié Dieu. Parce qu'il a vu ces choses-là incroyables. Donc, si cet homme-là a dit ça et a glorifié Dieu, comment nous, ses enfants, on devrait glorifier Dieu pour cette mort, cette coupure de communion avec le Fils et le Père, pour que nous, nous puissions avoir accès auprès du Père au travers du voile déchiré. Ça, c'est un thème de l'Épître aux Hébreux. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui est arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. On a dit tantôt que Christ, que Dieu était au contrôle de toutes choses, et ça, il l'avait prophétisé. Et là, on va finir avec ça, verset 49. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. On va tourner dans psaume 38, verset 12, s'il vous plaît. On avait déjà parlé de ce psaume messianique-là. « Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et disent tout le jour des tromperies. » Voyez-vous, verset 12, « Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. » Fait, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que Dieu était totalement au contrôle, que Dieu avait prévu chaque chose. Dieu avait annoncé aussi les ténèbres. Et rappelons-nous une chose, quand nous prenons ce repas, le pain et le fruit de la vigne, rappelons-nous d'une chose, c'est que ça a coûté extrêmement cher au Seigneur, ce repas-là. Cette figure-là, ce repas-là, pour que nous puissions le prendre, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, il a fallu que lui, il soit totalement coupé du Père, pour que nous, nous soyons totalement intégrés auprès du Père. Sans sa mort, sans cette coupure, sans cette souffrance extrême qu'il a eue intérieurement comme extérieurement, il est impossible à l'homme d'avoir un accès total et absolu auprès du Père. Et c'est ça qu'on devrait méditer avec ce court texte-là. J'aimerais vous lire en terminant, c'est un vieux livre de cantiques, qui s'appelle « Hymne des cantiques ». Il y a des cantiques là-dedans qui ont 200-250 ans. Je ne sais plus ça, André. Peut-être que je sais plus ça. Ça, c'est très vieux. Mais vous allez voir que les vieux ne sont pas si fous que ça. Je vous lis
les paroles seulement. Agneau, victime expiatoire, nous contemplons ta charité, ta mort sanglante et ta victoire. Pour nous, ton peuple racheté. Réunis autour de ta table, nos cœurs célèbrent ton amour en t'adorant, ô Sauveur charitable. Nous attendons ton glorieux retour. Enfin d'une race coupable, nous avons trouvé dans ta croix parfaite paix, grâce ineffable, force et bonheur tout à la fois, réunis autour de ta table. En toi, revêtu de justice, lavé dans ton sang précieux, nous rappelons ton sacrifice qui nous ouvrit l'accès des cieux. Réunis autour de ta table, ô bien-aimé, fais que ta vie brille ici-bas, dans tous les tiens, que chacun d'eux te glorifie, toi qui nous comptes de tout bien, réunis autour de ta table. Pas plus rien pour des vieux qui sont morts, fait 200, 225 ans. Ben, il était pas mal dedans avec la parole de Dieu. Hein. Fait que voyez-vous, c'est ça que nous devons méditer. Et le Seigneur Jésus dit, en prenant ce repos, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et on va le faire jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Parce que la base de notre foi, celle qui nous sauve, celle qui nous rachète, c'est la mort de Christ. C'est ça, c'est ce repos-là. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette foi-là, s'il n'y a pas cette mort expiatoire, c'est... Christ n'est pas mort. Et si nous ne le disons jamais, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne comprendront pas ce sacrifice-là. Et parce que les chrétiens ont toujours dit ça, depuis que Christ est mort, est ressuscité et qu'il est parti. C'est pour ça qu'on le sait aujourd'hui. On va prendre un temps, peut-être 5 minutes, pour prier à haute voix. Quelques frères et sœurs pourraient amener une prière et ensuite on va prendre ce repas. On va regarder ce matin dans Jean chapitre 10. Je trouve que c'est un saut naturel après le psaume 23 de toucher le psaume, le Jean chapitre 10. Mm-hmm. Et avant d'aller trop loin, on veut prier et que le Seigneur dirige dans tout ce qu'il dit et que son nom soit glorifié. Est-ce qu'il y a un frère qui peut prier, s'il vous plaît, avant le message? Seigneur, on te remercie de prendre un soin particulier de tes enfants, de tes brebis, Seigneur. Tu es le bon berger et tu prends soin de nous, Seigneur. Tu nous diriges dans de verts pâturages. Tu nous amènes vers des eaux paisibles. Tu restaures notre âme, Seigneur. Et ce souci que tu as de nous, Seigneur, tu l'as eu de toute éternité. On te remercie, Seigneur, pour le grand soin que tu prends de chacun de nous. Nous te demandons, Seigneur, que ta parole ce matin, qui va être apportée par notre frère, touche nos cœurs et nous fasse admirer un si grand salut, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Cette semaine, je ne me souviens pas exactement de quel jour que c'était, je pense le 1er novembre, il y a beaucoup de places qui ont célébré, ou au moins ils ont fait mentionner, que c'était le 500e anniversaire pour le commencement de la Réformation. Ouais. Et je crois que on ne doit pas oublier ça. Hein? C'est important. Si on a qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce que dans le passé, le Seigneur a travaillé dans les cœurs et il y avait un grand mouvement du Saint-Esprit dans les cœurs. Il y en a plusieurs qui ont accepté le Seigneur et il y en a beaucoup qui ont payé par leur vie et ils ont sorti de la grande église. Et ils ont accepté la parole comme seule autorité pour les choses spirituelles. Je veux juste faire juste deux, trois commentaires dessus.
C'était en 15-17 quand Martin Luther a cloué ses 95 thèses après la porte d'une église en Angleterre. Je veux m'en parler de quelqu'un, juste avant de commencer. Une personne, peut-être on ne connaît pas dans l'histoire beaucoup, mais très important, spécialement pour nous ici. C'était le cousin de Calvin, de Jean Calvin. Vous avez entendu peut-être oui. Le nom de Jean Calvin. Et je manège pour comprendre, c'est lui qui a dirigé Calvin au Seigneur. Mais c'est un gars qu'on n'entend pas parler. Pierre-Robert Olivetan. C'est qui ça? André le connaît le nom. C'est lui, en 1535, qui a traduit, 34-35, qui a traduit la Bible en français, d'hébreu et grec. Ça veut dire que ce n'était pas pour lui, mais c'est à cause de lui. Peut-être le Seigneur aurait appelé d'autres personnes de traduire, mais c'est lui qui a traduit en français d'hébreu et grec pour la première fois. Et à cause de ça, on a la Bible en français aujourd'hui. Mais un grec qu'on n'entend pas parler. On entend parler de son cousin, Calvin. On entend parler de d'autres, mais pas lui. C'était cela un homme gêné aussi. Mais il est mort en Italie. Et nous croyons qu'il est mort empoisonné. Il n'était pas bien apprécié par certains milieux, parce qu'il a traduit. Et comme je dis, il y a beaucoup qui ont payé par leur vie. Et on a, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à cause de ces personnes qui sont allées avant nous? C'est important de savoir un petit peu, je ne suis pas historienne, mais de connaître un petit peu, là, ça m'aide d'apprécier qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de ça, j'ai fouillé un peu de savoir un peu combien des langues qu'on a aujourd'hui lorsqu'on parle de Bible. Selon les statistiques de SIL, Summer Institute of Linguistics. On connaît une fille de Québec qui est en dessous de cette mission et de la ville de Québec, puis est en train de traduire en Russie une langue dans le nord de la Sibérie. Il y a 6909 langues ou dialectes dans le monde. Ça fait de langue, hein? Il y en a 2505 qui a soit les écritures complètes ou juste une partie des écritures. Ça veut dire qu'il reste encore plusieurs langues à traduire. Mais encore là, gloire à Dieu pour ceux qui ont pris le temps de traduire dans la langue du peuple pour que le monde peut avoir la Bible dans leur langue. Il y en a encore aujourd'hui qui trouvent que la Bible est très importante de passer une grosse partie de leur vie à traduire pour d'autres personnes qui peuvent avoir l'Évangile. Lorsqu'ils ont commencé d'imprimer, je ne me souviens pas le nom, la presse imprimante, là, c'était, je ne me souviens plus le nom, Gutenberg. D'Angleterre, d'Allemagne, à 14, je ne me souviens plus là. Je ne me souviens pas exactement lorsqu'ils ont commencé à imprimer. La première chose qui a imprimé sur cette presse-là, c'était la Bible. Parce qu'il a vu que la Bible était importante. Gloire à Dieu pour ça. Alors, ça fait longtemps qu'on a l'Évangile. Puis lorsqu'on voit qu'ici au Québec, mais c'est dans, on l'a, mais c'est
c'est rare, hein? N'oublie pas de prier pour cette province. Que le Seigneur va travailler encore et que des âmes viennent au Seigneur. Et vous savez, c'est vrai. On regarde, peut-être on regarde juste tout de chez nous un peu, là. Et là, le Seigneur ne travaille pas. Il faut regarder plus large que ça. Qu'est-ce que le Seigneur fait dans toute la province? Est-ce qu'il sauve encore? Il est encore vivant, le Seigneur. Il sauve encore. Et dans le monde entier, il sauve encore. Gloire à Dieu pour ça. Et il est en train de sauver le monde dans des places qu'on ne peut pas même imaginer. Je connais un pasteur, un missionnaire pasteur, juste pour dire comment ça, le Seigneur travaille dans les vies. Il vient de la Syrie. Il va en Grèce. Il accepte, si je me souviens comme il faut, son histoire, là, il accepte le Seigneur en Grèce. Il vient au Canada, à Toronto, pour à l'école biblique, à le collège biblique, pour apprendre la Bible. Il était pasteur à Maniwaki pour quelques temps. Il retourne, il est derrière quelques années, là, il y a quelques années, derrière en Turquie pour travailler avec les réfugiés syriens. Et encore aujourd'hui, il est en Toronto avec sa famille et il travaille parmi les peuples du Moyen-Orient. Mais gloire à Dieu! Et Dieu amène la personne ici et là, il accepte le Seigneur. Dieu travaille encore aujourd'hui. Il est vivant. Même si on dit, oh, le Seigneur ne travaille pas, il travaille. Regarde le monde, qu'est-ce qui se passe? Et gloire à Dieu pour ça. Ce matin, on va regarder dans Jean chapitre 10, s'il vous plaît. Et je vais demander quelqu'un de lire, peut-être deux personnes de lire. On va lire chapitre 10, 1 à 17, puis après deux, trois versets, après ce petit arbre. Alors, c'est peut-être quelqu'un peut lire une à 9, une à 10, puis après, une autre deuxième personne peut lire, continuer à lire, s'il vous plaît. Aide-moi dans ça. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole. Mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutées. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Ok, est-ce que quelqu'un d'autre peut continuer à lire? À partir de verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit
parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et elle ira un seul troupeau, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est bien. Merci beaucoup. Alors, premièrement, on va regarder, on voit le parabole commence ici, il parle concernant la bergerie. La bergerie, c'est un endroit où le troupeau peut entrer pour la nuit. Il y a un entourage avec un mur de quelque sorte. Ici, naturellement, dans l'Amérique du Nord, on utilise peut-être les clôtures. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas. Donc, il y avait des murs de quelque sorte, soit des roches ou des briques de cuivre dans le soleil, ou les bâtons ensemble pour faire une sorte de clôture. L'endroit était ouvert, sans toit, mais le berger était capable de voir son troupeau comme il faut. C'était pour la protection. Je dirais que probablement ce n'était pas la place la plus propre non plus. Là. OK? On parle d'une bergerie, on parle d'enclos où il entrait pour la nuit. Juste pensez un peu. Je veux que vous pensez un petit peu de ce que vous connaissez dans tout là. À tout le grange, lorsqu'on voit les vaches à tout le grange, OK? Et compare là avec le pâturage. À tout le grange est d'habitude sale. La terre, il n'y a pas beaucoup de gazon, parce que c'est travaillé par les pattes, puis les vaches viennent souvent là, puis et quand ils mouillent, au moins pas ici, c'est évasu, hein? Mais je crois que c'est un peu cette impression que ça nous donne avec la bergerie. Chaque nuit, il entre là. Et le berger, le matin, bonheur, il prend le temps de sortir ses brebis, ses moutons, pour trouver le pâturage, parce que c'était important. Il mentionne que ceux qui vont à part ailleurs, qui sautent au-dessus du mur, c'est pas le berger. Ceux qui sautent au-dessus des murs, c'est les voleurs. C'est la même chose aujourd'hui. Même une maison, quelqu'un qui passe par la fenêtre, d'habitude, c'est un voleur, n'est-ce pas? Hein? On entre dans la porte et le berger va entrer dans la porte. Et on voit le verset 3, le portier. Donc, il y avait quelqu'un qui prenait soin de cette porte-là. Il y en a qui disent que le berger dormait dans la porte, celui qui était la porte. Mais on voit ici un portier, donc il y avait quelqu'un qui était là pour l'ouvrir et fermer la porte. Et lorsqu'il sortait ses moutons, il les appelait. Les moutons entendaient sa voix, ils connaissaient sa voix. Et ça se trouve intéressant. Et je dirais que tous les animaux domestiques connaissent la voix du maître. OK? Un chien, il connaît la voix de son maître.
Parfois, si tu changes le chapeau, ils ne connaissaient pas le maître, mais la voix, ils connaissaient. Là. On avait un chien lorsqu'on était jeune. Notre entrée était assez longue. Là. Puis on arrivait parfois vers le soir, parfois, puis le chien vient après nous. Rah, 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 rah. Puis parfois, tu changes le chapeau. Ils ne connaissaient pas le chapeau. Mais lorsqu'on parlait avec le chien, il arrêtait direct. Là. Il savait que c'était nous. Là. Mais les brebis, c'est la même chose. Ils ont fait une expérience. Philip Keller, qui était berger, lui, autrefois, a fait une expérience avec le troupeau, à lui, et avec les étrangers, de voir vraiment est-ce que c'est vrai. Et il a dit aux étrangers qui est venu, où il travaillait, de dire les mots exactement comme lui faire pour appeler ses moutons. L'étranger faisait exactement comme Keller a dit, mais les moutons ne réagissaient pas du tout. Même si c'était les mêmes mots, ce n'était pas la même voix. Les moutons connaissent la voix du berger, leur maître. Et le berger les appelle par leur nom. Ils connaissent ces moutons. Et vous savez, je veux appliquer ce message pour nous aujourd'hui. Jésus nous connaît. Jésus connaît le nom de chacun de nous. Et il nous aime. De tout le monde entier, Jésus nous connaît. Il sait qui nous sommes et notre nom. Et je trouve ça merveilleux de voir que Jésus est intéressé en nous pour savoir le nom de chacun de nous. On voit que le verset 4, lorsqu'il fait tout sortir ses brebis, il va en avant d'elle. Et on a parlé de ça dans le psaume 23. Il dirige ses troupeaux. Les troupeaux le suivent. Il ne pousse pas ce troupeau. Il dirige. Et il va en avant. Les brebis le suivent parce qu'elle connaît sa voix. Alors, pour nous aujourd'hui, je vais poser cette question. Connaissez-vous la voix du berger? Vous le dites, peut-être, vous le connaissez comme sauveur. Le Seigneur vous a parlé dans votre cœur, vous avez accepté le Seigneur comme sauveur personnel. Mais connaissez-vous sa voix? Suivez-vous n'importe où? Ou est-ce que vous ne suivez n'importe qui ou n'importe où? D'accord. Est-ce qu'on connaît la voix du maître? Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il nous parle comme une voix que l'on entend là. Attention là. Le Seigneur a laissé sa parole. Il nous parle à travers de sa parole. Mais est-ce qu'on connaît sa voix? Est-ce qu'on sait la direction que le Seigneur veut qu'on marche? Il va en avant de nous. Est-ce qu'on est prêt à suivre sa voix et ses instructions? Alors, connaissez-vous sa voix? Suivez-vous le Seigneur? Ou est-ce qu'on suit d'autres? D'autres, n'importe quel enseignement que d'autres peuvent donner. Vous savez, c'est surprenant des chrétiens qui suivent beaucoup d'autres enseignements, des fois. Il y a des choses qu'ils peuvent entendre ici ou là. Ah! Et ils n'écoutent pas la voix du maître. On entend toutes sortes de choses. À la radio, la télé, l'ordinateur, les philosophies du monde, les idées politiques, puis on suit ces idées. Mais est-ce qu'on suit la voie du maître?
suivre le Seigneur. Et on voit que le verset 5, les moutons, elles ne suivront point l'étranger, elles fuient loin. Et lorsque je regarde ça pour nous, est-ce que nous, on fuit loin d'un étranger, une voie qui n'est pas selon la parole de Dieu? Jésus-Christ a parlé de cette parabole, mais on voit que de verset 6, que les disciples avaient de misère à comprendre. Et Jésus-Christ, en verset 7, il a fait ça clair. Je suis la porte des bergers, des brebis. Jésus-Christ est la porte. Et je trouve intéressant ici. Il a fait ça clair. Tous ceux qui sont venus avant moi, c'est les voleurs et les brigands. Mais les brebis ne l'ont point connu, écouté. Verset 9, c'est clair, je suis le porte. Mais regarde bien ici. Si quelqu'un entre, pas moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera du pâturage. Jésus-Christ est la porte. C'est clair que l'on sait que c'est par Jésus-Christ qu'on va au ciel. On accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Si on tourne deux, trois pages dans Jean chapitre 14, verset 6, un verset que vous connaissez, où on lit ce que Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Parce que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte. Il nous donne la vie éternelle. Mais je me demande ici, dans ce passage, dans Jean chapitre 10, est-ce qu'il y a d'autres choses? Il nous donne la vie éternelle. Il dit, « On sort, on a. » On trouve le pâturage. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici? Est-ce qu'il nous donne, est-ce que ce pâturage qu'il nous donne, c'est juste pour la vie éternelle? Ou est-ce que c'est pour maintenant aussi? Qu'est-ce que ça veut dire comme ça? Et qu'est-ce que je veux vous présenter ce matin? Je veux vous penser, vous faire penser maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous donne il nous dirige vers les verts pâturages. On entre pas lui, on sort pas lui. Qu'est-ce que vous voyez ici? Pensez, on va regarder ça un peu plus loin dans verset 10. Le voleur ne vient que de dérober, égorger, détruire. Regarde tout autre enseignement qu'on peut avoir à part de la parole de Dieu. Toute autre influence du monde. Qu'est-ce que ça fait? Ça détruit. Vraiment. Ça encourage pas. Ça détruit. Et je veux juste mentionner certains exemples extrêmes. La drogue, la boisson, tout extrême, même la gourmandise, les philosophies de l'homme, ce n'est pas là pour aider la personne. On dit oui, mais quand vous regardez les résultats, ça détruit. Jésus-Christ est le chemin, dans Jean 14. Jésus-Christ, ici, est la porte. C'est ce que je vois ici. L'importance est mise sur Jésus-Christ. Jésus-Christ.
et nous devons entendre, écouter sa voix. Nous devons passer par Jésus-Christ. C'est lui qui nous sauve. Mais qu'est-ce que c'est cette vie abondante qui parle ici? Pensez. Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce que c'est? Si vous disiez, et j'ai entendu quelques-unes qui ont dit, c'est pas juste pour la vie éternelle, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai pas les réponses. Je vais vous présenter cette chose. Mais qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que c'est cette vague pâturage pour nous? Et je crois que le monde aujourd'hui, les chrétiens cherchent une certaine profondeur spirituelle. Et lorsqu'on cherche souvent cette profondeur spirituelle, on va faire des choses pour montrer qu'on est spirituel. Mais lorsqu'on doit montrer qu'on est spirituel, je crois qu'on n'est pas spirituel. Lorsqu'on doit montrer qu'on est spirituel. C'est comme l'humilité. Lorsqu'on pense qu'on est humble, on n'est plus humble. Hein? Alors, lorsqu'on veut faire toutes sortes de choses, ça peut être la manière qu'on prie même. Si on prie d'une manière, il y en a qui utilisent certaines expressions, certaines phrases pour montrer, waouh, il a. Mais lorsqu'on commence à faire ça, là, ça veut dire qu'on ne l'a pas. Hein? Lorsqu'on doit dire des choses, des phrases, des clichés, pour montrer, wow, je suis spirituel. Non, on n'est pas spirituel. Et souvent, les chrétiens vont chercher une profondeur qui, ça devient plus presque mystique. Quelque chose un peu magique. Mais la Bible dit, et lorsqu'on parle de réformation, une chose qui a dirigé Martin Luther au Seigneur, il a lu dans Romains, le juste vivre par la foi. Lorsqu'on doit commencer de faire toutes sortes de choses pour montrer qu'on est spirituel, je pense que ce n'est plus la foi. Hein? Donc, qu'est-ce que c'est cette pâturage? Comment avoir cette profondeur? On sent Jésus-Christ nous dirige vers les pâturages. C'est quoi? Et je vois que je dois aller plus vite pour faire quelque chose. Je vais manquer de temps. Alors, on va regarder ça. Mais c'est par Jésus. Est-ce que je pense sur lui? Est-ce que je cède à Jésus-Christ? Ou est-ce que je résiste sa volonté? Est-ce que Jésus est le centre de ma vie? Est-ce que je suis Jésus? Il va nous diriger. Puis dans Psaume 23, on a dit qu'il nous dirige, on a lu qu'il nous dirige dans les sentiers de justice. Puis je crois que même vous avez fait le commentaire, c'est à cause de son nom, parce que lui est juste. Alors Jésus va nous emmener toujours dans les sentiers de justice. Mais qu'est-ce que c'est cette profondeur? Le juste vivre par la foi. Regardez dans le Philippiens chapitre 2, s'il vous plaît. Et je pense que ça nous donne une petite idée qu'est-ce que c'est cette profondeur, ce pâturage. Premièrement, je devais lire, puis je n'ai pas marqué le verset, je pense. Oui, dans Romains chapitre 5, je vais juste le lire. Premièrement, pour commencer sur ce pâturage, Romains 5, 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mm-hmm. » Il faut avoir la paix avec Dieu. Et pour avoir la paix avec... Et une fois qu'on a la paix avec Dieu, on va avoir la paix dedans et on va avoir on va être capable d'avoir plus de paix avec l'entourage aussi.
Cet vert pâturage que nous cherchons, la profondeur, c'est premièrement avoir la paix avec Dieu. Et une fois qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, il nous donne une paix. Mais parfois, l'ennemi est là pour nous. Il faut faire mélanger l'eau claire, là, puis faire le vase un peu. Hein? Regarde dans Philippiens chapitre 2. Et à partir de verset 3, est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, verset 3 jusqu'à verset 11, Philippiens chapitre 2. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça va être assez loin, merci. On voit Jésus-Christ était humble, on voit qu'il était obéissant, et on voit qu'il était un serviteur. Trois choses, juste là. Si on regarde dans chapitre 4, et à partir du verset 4 à 8, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi il l'a répété? Parce qu'il sait que c'est difficile pour nous. Que votre cœur soit connu de tous les hommes. Que votre douceur. Excusez. Vous savez maintenant pourquoi je vous laisse lire. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications, avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et je crois que vraiment, c'est là le vert pâturage. Ça veut dire que nous pouvons avoir, le Seigneur nous dirige. Ça, on sait que c'est le chemin qu'on doit suivre ici. Et le Seigneur nous dirige dans les sentiers de justice. Il veut qu'on soit plus et plus comme lui. Et vous savez, même si ça va mal dans le monde, on peut avoir cette paix et on peut agir comme un chrétien malgré tout. Même quelqu'un qui est malade, qui est au lit, qui ne peut pas faire toutes sortes de choses pour montrer qu'ils sont spirituels, peut être aussi spirituel. Pour avoir cette paix profonde en dedans de eux et pour être une bénédiction pour toutes les personnes qui d'alentour. Même s'il ne peut pas faire plus que ça physiquement. Et je crois que c'est là, le Seigneur nous, c'est de Jésus-Christ est la porte, et on doit entrer puis sortir, et le Seigneur nous dirige dans le vert pâturage, et je suis convaincu que c'est là la profondeur de la vie spirituelle. D'être plus et plus comme lui. Et
On n'a pas besoin de faire toutes sortes de choses pour montrer qu'on est spirituel. Mais ceux qui sont autour de nous vont savoir par nos actions, par nos paroles. Et on veut juste continuer dans Jean chapitre 10. Je dois aller assez vite maintenant. Mais je vous donne ce matériel juste pour que vous pouvez penser un petit peu plus dessus. J'ai arrêté un nœud. Si on peut regarder, Jésus-Christ, verset 11, en Jean chapitre 10, Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et tout berger, des bons bergers, étaient prêts de donner leur vie pour sauver les vies des moutons. David même parlait de ça. Lorsqu'il y avait un ours qui l'attaquait, il l'a pris. Lorsqu'il y avait un lion, il l'a pris aussi. Il était prêt de risquer sa vie pour ses moutons. Jésus-Christ a risqué sa vie pour nous. Il a donné sa vie. J'ai amené avec moi une cuillère. Alors, il y en a qui font encore la cuisine avec une cuillère en bois. Mais je me souviens quand j'étais jeune, les cuillères en bois étaient utilisées pour faire la cuisine, mais utilisées pour d'autres choses aussi. Ah, vous vous souvenez, hein? Et je ne me souviens pas, j'ai trois frères, je ne me souviens pas qu'eux étaient prêts à prendre les punitions pour moi. Pas du tout. Mais c'était mes frères. Mais Jésus-Christ a pris les punitions pour moi, sur la croix. Et je trouve ça tellement bon. Il a donné sa vie pour moi. Et c'est la raison pour le rapport du Seigneur aussi, pour qu'on n'oublie pas qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et je trouve ça tellement merveilleux. Et plus tard, dans le texte, en 12, 13, il parle comme son mercenaire. Il compare le mercenaire ou celui qui est engagé de prendre soin des moutons. Il ne tient pas au cœur les brebis comme Jésus-Christ. Lorsqu'il y a des dangers, il s'en va. Mais verset 14, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Et c'est vrai. Et il parle encore plus loin, verset 16, j'ai d'autres brebis et qui ne sont pas de cette bergerie, mais il y en a d'autres brebis. Et je vois ici, mondialement, il y a des chrétiens, mondialement. Et moi, Dieu pour ça. Et je trouve ça, n'importe quel pays qu'on voit presque, on va trouver des chrétiens. Parfois, ils sont rares. Mais il y en a. Et je trouve ça tellement bien. Alors, il ne faut pas penser que nous sommes les seuls qui prêchent l'Évangile. Pensez jamais ça. Parce qu'il y en a d'autres dans le Québec qui prêchent l'Évangile. Il y en a d'autres au Canada. Il y en a d'autres dans l'Amérique du Nord. Puis il y en a d'autres mondialement aussi qui prêchent l'Évangile. À cause du manquement de temps, je vais faire un saut dans le verset 27. Dans le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne perdront jamais. Et je mets l'emphase sur ça. Et personne ne les ravira de ma main. Est-ce que je vois? Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous,
et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que je dois relire ce verset? Je pense pas. Le Seigneur, il nous donne la vie éternelle. Et nous sommes dans la main de Jésus, le bon berger. Il n'y a personne qui peut nous enlever de là. Si vous avez eu des petits-enfants, probablement chacune, ou vous connaissez les petits-enfants, mais lorsqu'on traverse le chemin, une grande chemin avec un petit-enfant, aujourd'hui peut-être c'est différent, mais dans notre temps là, on ne prenait pas juste un petit doigt de maman ou papa. Hein? Papa prenait la main ou maman prenait la main. Et souvent, même pas la main, il prenait le bras. Parce que même avec la main, l'enfant est capable de l'enlever. Hein? Ils sont vite. Alors, il prenait le bras, puis il tenait le bras. Pour que l'enfant ne peut pas échapper lorsqu'on traverse une grande rue. Mais nous sommes en train de traverser la vie. Le Seigneur nous donne la vie éternelle. Et le Seigneur, il n'y a personne qui peut les enlever de main de bon berger. Parce qu'il ne nous prend pas la main. Et je vais dire plus que ça, il nous prend par le bras. Il nous tient comme il faut. Et dans toutes les circonstances de vie, il nous tient comme il faut. Et il nous donne la vie éternelle. Marchez avec lui, suis le bon berger. Et il va nous diriger dans le sentier de justice parce qu'il est juste. Pour terminer, je vais juste lire un autre verset dans Hébreux chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, pour le rendre capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et n'oublie pas, qu'est-ce qu'on a pris ce matin? Ce qu'on a pris concernant Jésus. Il tient ma main, il m'appelle, il me connaît, il est mort pour moi, il me dirige dans le sentier de justice et il me dirige vers les 24 âges. Gloire à son nom. Prions. Seigneur, pour terminer, on veut juste te remercier. Merci pour chacun ici. Ils désirent de marcher avec toi parce qu'ils sont ici. Et nous prions, Seigneur, que tu les bénis fortement. Tu les aides, tu les encourages. Et merci, Seigneur, que tu tiens, tu nous tiens par la main. Et il n'y a personne qui peut enlever ça. Gloire à ton nom. Alors nous prions, Seigneur, que tu nous aides maintenant à marcher dans ce sentier de justice parce que tu nous appelles de marcher dans ce sentier. Tu nous donnes un verbe, tu veux nous diriger vers les verbes pâturages et que nous pouvons, chacun de nous, glorifier ton nom en tout temps. Chaque jour, chaque moment. Et je sais, c'est le désir de chacun ici. Merci pour chacun et merci pour Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.